Yo les gars, c'est Toine Lag. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Fortnite en compagnie de Kenzis. Yo les refs. C'est la première fois que tu viens sur ma chaîne et aujourd'hui c'est un tout nouveau concept que j'ai inventé. Regardez, on est dans la boutique de Fortnite et moi je vais choisir un skin au hasard. Kenzis aura le droit de me poser 3 questions seulement pour tenter de retrouver le skin. Je pourrai répondre que par oui ou par non et s'il y arrive, je lui offre le skin. On va voir qui de nous deux aura plus de skins et c'est parti. Ah mec, moi là je vais pas laisser de répit là. Là je veux tous les skins de la boutique. Ah mec, en plus là c'est une très grosse boutique. Je vois, il y a plein de skins. Il y a vraiment des skins que j'ai trop envie d'avoir, comme eux par exemple hein. Tu vas commencer à chercher, je vais choisir un skin. Quel skin je pourrais prendre? Tiens. Ok, on va commencer avec un classique. Je vais prendre ce skin. Kenzis, tu es prêt? Tu peux poser ta première question. Ok, je suis prêt. Alors déjà, est-ce que ce skin est un homme ou une femme? C'est une femme. Oh, ok, c'est une femme. Alors, quelle autre question je pourrais poser? Je me balade un petit peu dans la boutique, hein. Je regarde, y a quel genre de skin, tout ça chez les femmes. Là, il y a 3 skins. Ah, il y en a un. Ok, donc ça fait 5 skins femmes. T'as seulement 2 questions pour tenter de retrouver le skin. Si tu le retrouves, je te l'offre. Ah, mec, seulement 2 questions. Mais en plus, j'ai envie d'avoir le skin. En plus, c'est un skin femme et tout. Moi, j'aime bien les skins tryhard et tout. Je sens, là, les skins que je vois, femmes, ils m'intéressent tous. Mais quelle autre question je pourrais poster? Ok, j'en ai une. Est-ce que le skin possède un objet sur la tête? Ah, très bonne question. Oui, le skin que j'ai choisi a quelque chose sur la tête. Ok. Mais en vrai, ah non, je crois que j'ai posé une mauvaise question. Parce qu'en fait, tous les skins femmes dans la boutique, ils ont tous des objets sur la tête. Ah non. Ok, c'est pas grave. On va tenter une dernière question. Donc là, il me reste une dernière question. Ouais, il te reste une dernière question. Ok, Toinac, j'ai une question. Dis-moi. Donc là, c'est pas une question qui va me permettre de trouver directement le skin, mais ça va trier et après, je vais devoir faire un choix et ça sera à la chance. Ok. Est-ce que le skin que tu as choisi, on peut voir ses coudes? Ça veut dire ses coudes ne sont pas recouverts. Oh là 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 là. Très bonne question. Alors, il y a un style où on voit les coudes de mon skin. Oh, un style. Bah là, c'est un gros indice que tu m'as donné là. Parce que ça veut dire que je peux regarder les skins qui ont des styles et qui en ont pas. Et ceux où on voit les coudes et où, là où on les voit pas. Ah ouais, alors là, si tu trouves pas. Je vais trouver. Alors, je regarde un petit peu celui-ci. Et celui-là, on voit les coudes. Mais il a pas de style. Du coup, ça peut pas être lui. Lui, il a pas de style. Lui, il a pas de style. Ah, lui. Oula. Non, il y en a un. Les deux, on les voit les coudes. Ok. Il en reste qu'un seul. Ok, mec, je pense avoir trouvé le fameux skin. Je pense que c'est le skin V. Nard. Quoi? Mais attends, mais comment t'as fait? Ah bah mec, c'est grâce aux questions. Ok, bien joué. En vrai, j'ai commencé avec un petit skin à seulement 800 V-Bucks. Je te l'offre. Tac, achetez le cadeau. Oh, j'ai reçu le skin. Vous avez reçu un cadeau de la part de toi, Nag. Ouvrir. Et c'est le skin Vénard. Et bah ça fait plaisir de te l'offrir. Ah, ça fait plaisir. Cette fois c'est à toi de choisir un skin. Je vais devoir le deviner. Choisis ton skin. Ok, laisse-moi réfléchir 30 secondes. Ok, Toinac, c'est bon, j'ai choisi mon skin. Ok, première question. Déjà une question évidente. Est-ce que ton skin est un homme ou une femme? Oh, première question, ok, évidente. Question évidente, c'est un homme. Ok, alors on a quoi comme homme? On a celui-là, ok. On a les deux ici, on a quoi d'autres? Oh, il y a Poisla, il y a quand même beaucoup d'hommes dans cette boutique, hein. Oh, et il y a lui, bien sûr. Ok, je vais faire une question avec lui, tiens. Est-ce que le skin porte une casquette? Oui, il porte une casquette. Ok, il y a qui porte une casquette? Est-ce que lui, il a une casquette? Oh non, lui aussi, il a une casquette. Il y a 2 skins hommes avec des casquettes. Ok, donc faut que je trouve une question qui différencie ce skin à celui-là. Et après, normalement, je trouve le skin. Oh, je sais, j'ai une question de fou. C'est évident. Est-ce que le skin est blanc ou noir? Tu parles des vêtements ou... La couleur de peau. Je dirais qu'il est chocolat au lait. Ok, c'est gars sûr, je me trompe? Ah, et tu te trompes. Non, je rigole. Non, bien joué. Ah non, ça a été trop simple. Oh, il est trop stylé, je suis trop content de l'avoir gagné. Ah mec, je vais devoir te l'offrir, je te l'offre tout de suite, t'as gagné, franchement, bien joué, félicitations. Et merci. Oh, j'ai reçu le cadeau, c'est parti. Le skin, oh là là, je le voulais trop en plus. Merci Kenzis, ça fait trop plaisir. Ah mec, de rien, je suis un peu dégoûté, t'as trouvé aussi comme moi, mais ça fait plaisir quand même. Cette fois-ci, je vais choisir un autre skin pour toi. Alors eux, ils me font de l'œil, hein. Je pense que je vais prendre celui-là, tiens. Vas-y Kenzis, tu peux me poser tes questions. Ok, du coup toi Nag, première question évidente, évidemment. Est-ce que le skin est un homme ou une femme? C'est un homme ou une femme ça? Non, c'est un homme. Un homme? Oh, ce serait pas... Ouais, non. Est-ce que le skin porte un objet sur la tête? Oui,
il y a quelque chose sur la tête du skin. Ça pourrait être lui, mais je pense que comme je l'ai fait à la manche d'avant, le skin gassure, je pense pas qu'il aurait repris le même. Après, c'est possible, mais je pense pas. Ah, peut-être que je t'ai piégé, hein. Ok, il y a ces deux skins là, Saucer Fou et Bomberger. Ok, toi, Nak, j'ai une question pour toi. Dis-moi. Est-ce que les skins en aliment sur la tête, genre hamburger ou tomate? Genre hamburger ou tomate? Oui, ouais. Il y a un hamburger ou une tomate sur la tête du skin. Par contre, je te dis pas c'est quoi. Ok, donc ça veut dire que là, c'est entre le Saucer Fou et le Bomberger. Mais comment je peux trouver maintenant? Ok, tu n'as plus de questions. Tu vas devoir faire un choix entre la tomate et le burger. Aïe, aïe, aïe. Alors là, je sais pas, mais ça va encore se porter sur la chance. Et c'est plus comme la première manche. Là, c'est vraiment que de la chance. Faut vraiment qu'il se trompe. Vraiment, j'ai pas envie. Le skin, en plus, il coûte 1500 V-Bucks. Il est beaucoup trop cher. Alors, Kendis? Ok, toi, Nag, j'ai fait mon choix. Je me suis dit quoi? Je me suis dit, qu'est-ce que tu préfères entre manger une tomate et un burger? Du coup, je pense que tu as choisi le skin Bomberger. Et non, j'ai choisi la tomate et t'as perdu. Let's go. Non. Je suis dégoûté. Allez, chat. Ok, c'est à toi de choisir un skin. Oh, je suis deg. Ok, bon, à mon tour. C'est parti. Ok, là, je te jure, celui-là, toi, Nag, tu vas pas le trouver. Ok, du coup, toi, Nag, c'est bon, j'ai choisi mon skin. C'est un skin que moi, j'aime particulièrement bien. J'espère que tu vas pas le trouver. Parce que j'ai quand même pas envie que tu le trouves. Ok, t'aurais pas dû me dire que t'aimais bien le skin. Parce que tu m'as dit tout à l'heure que tu adorais les skins femmes. J'ai même pas besoin de te demander si c'est un homme ou une femme. Oh non, j'avais oublié ça. Non, j'ai donné un gros indice là, comme ça. Eh ouais, faut faire gaffe à ce que tu dis. Ok, donc je vois qu'il y a des skins à 800 V-Bucks femmes. Mais il y a aussi des skins à 1200. Après, il y a d'autres. Eh, il y a trop de skins femmes. Je vais tenter un coup de poker. Est-ce que le skin que tu as choisi coûte 1200 V-Bucks? Ouh, mais ça, c'est une très bonne question, ça. Alors, oui, le skin coûte 1200 V-Bucks. Oh, mais non! Ok, ça veut dire que c'est où ce skin? Où ce skin? Attends, t'es en train de me dire qu'il y a que deux skins à 1200 là? Je crois. Ah non, il y en a trois. Oh, j'ai une question de fou. Est-ce que ton skin a les cheveux attachés? Alors non, mon skin n'a pas les cheveux attachés. Oh, j'ai trouvé. Parce que regarde, celui-là, il a des couettes. Et celui-là, il a une queue de cheval. Ça veut dire que c'est forcément ce skin-là. Est-ce que c'est le skin Dreamer? Eh oui, c'est le skin Dreamer, t'as gagné. J'ai trouvé en deux questions. Mais non, je suis trop chaud. Allez, offre-moi le skin, je l'attends de pied ferme. Tu l'as mérité, franchement tu l'as mérité, je vais pas te mentir. Ok, j'ai reçu ton cadeau. Aïe, 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 j'ai des nouveaux skins trop stylés, merci Kendis. Ah, de rien mon ref. Ok, c'est à moi de choisir le skin. Je ne sais pas quel skin choisir en vrai de vrai. Je pense que je vais choisir la swaggeuse, hein. La swaggeuse, elle est très 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 stylée. Et en vrai, il y a plein de skins filles dans la boutique, c'est impossible qu'ils trouvent. Ok Kendis, ça y est, j'ai choisi mon skin. Tu peux poser tes questions. Ok, donc quel skin tu aurais choisi? Là, j'ai pas d'indice comme toi, tu as eu tout ça, donc je vais poser la première question comme d'habitude. Est-ce que ce skin est un homme ou une femme? Eh bien, c'est un skin femme. Ok, un skin femme, ça marche. Comment les différencier, les trois ici? Quelle question je pourrais poser? Il y a aussi ces skins-là. En plus, c'est deux skins différentes, mais deux filles. Allez, Kenzie, s'il te reste deux questions pour tenter de remporter le skin, okay. À ton avis, quel skin j'ai choisi? Mec, j'ai une bonne question. Est-ce que le skin est maquillé ou pas? Ouais, je pense que c'est du maquillage. Ouais, mon skin est maquillé. Ok, ton skin est maquillé. Du coup, ça peut pas être chasseuse éclaireuse parce qu'il n'est pas maquillé. Ça ne peut pas être Dreamer parce qu'il est maquillé. Ça peut pas être le skin Vénard. Si, ça peut être le skin Vénard. C'est du maquillage, ça. Si, Vénard est maquillé. Allez, Kenzi, s'il te reste une question, tu dois la poser maintenant. Qu'est-ce que je pourrais trouver comme question? Déjà, on voit son ventre. Est-ce que les autres, on voit son ventre? Lui, on voit pas son ventre. Swaggeuse, on voit pas son ventre sur les deux styles. Ok, j'ai une question pour toi, Twan Lag. Dis-moi ta question. Est-ce que sur ton skin, on voit son ventre? Non, on ne voit pas le ventre de mon skin. Ok, donc ça ne peut pas être ce skin-là. Ça peut être Naomi prêtresse sombre et ça peut être swaggeuse. Toi, Nag, si t'as du swag... J'ai du swag. Bah, je pense que t'aurais pris le skin swaggeuse. Donc, je choisis le skin swaggeuse. Et c'est une bonne réponse. Ah, mais par contre, là, t'as eu de la chance, hein. Mec, c'est vrai que j'ai eu de la chance. C'est vrai que j'ai eu de la chance, mais c'était ma dernière question. J'avais pas le choix, mais là, c'est pas passé tout à l'heure pour le burger. Ça passe pour maintenant. Donc, je suis trop content. Let's go. Offrir un ami et je t'offre le skin Kenzis. C'est cadeau. C'est moi qui régale. Celui-là, tu l'as mérité. Ok, toi, Nag, j'ai reçu le cadeau. Ouvrir, c'est le skin swaggeuse. Merci toi, Nak, ça fait vraiment plaisir. Oh, de rien, c'est moi qui régale. Ok, du coup, je vais choisir un skin pour toi, Nak. Je pense je vais lui faire deviner, en vrai, le skin opportun. Celui-là, j'aime bien ce skin, je vais essayer de lui faire deviner. Ok, toi, Nak, c'est bon, j'ai fait mon choix, tu peux essayer de deviner le skin. Ok, il y a une question que j'ai trop envie de poser depuis très longtemps. Je vois qu'il y a pas mal de skins avec des tatouages. Il y a le skin Vénard qui a un tatouage, il y a le skin opportun qui a des tatouages, il y a aussi ce skin-là qui a des tatouages.
tatouages. Bref, est-ce que ton skin a des tatouages? Oh, mais ça c'est une très bonne question ça. Oui, mon skin porte des tatouages. Ok, donc c'est soit le skin Vénard avec ses tatouages, soit le skin Opportun, ou soit le skin Chasseuse Éclaireuse. Bah déjà, est-ce que c'est une femme ou un homme? Oh, attends, tu m'as dit qu'il restait quoi comme skin là? Ah, deux filles et un homme. Hein. Donc si c'est un homme, je crois que j'ai trouvé. Le skin, c'est un homme. Quoi? Mais attends, mais je suis giga chaud ce soir. Let's go, c'est le skin Opportun. C'est ça? Ouais, c'est ça. T'as trouvé en deux questions, t'es trop chaud. Vas-y, bah vas-y, moi j'attends que tu me l'offres. Je l'offre tout de suite. Non, franchement, c'est mérité, t'es bouillon. Ah mon gars, là je suis beaucoup trop chaud. Ça y est, j'ai reçu le skin. Aïe, 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 j'ai plein de nouveaux skins grâce à toi. Ça fait plaisir. Ok les gars, pour cette manche, je vais choisir le skin Bomb Burger. Il y a très peu de chances pour qu'il le trouve, regardez. C'est sûr, il ne va pas trouver. Kenzis, j'ai choisi mon skin. Ok, c'est parti, je réfléchis. Alors, quel skin il aurait pu choisir? En vrai, il y a beaucoup de skins, je trouve, où, bah, genre, c'est des aliments. Poiscaille, c'est du poisson. Bomb Burger, Saucer Fou, c'est une tomate. Ok, toi, Nag, je pense avoir trouvé ma première question. Dis-moi. Est-ce que le skin que tu as choisi est un aliment? Oh là 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 là, mais attends, mais tu prends des risques, là. Ah, je prends des risques, mais c'est des risques que j'aime bien. Alors, oui, le skin que j'ai choisi est un aliment. Oh, attends, parce que là, il y a que trois skins qui sont des aliments. Ça filtre déjà beaucoup. Il y a le Poiscaille, Bomb Burger et Saucer Fou. Oh, il y a que trois skins. Je pense avoir trouvé une deuxième question. Dis-moi. Est-ce que le skin que tu as choisi contient de la tomate? Quoi? C'est quoi cette question? Ah, mec, laisse-moi t'expliquer. Il y a le skin Saucer Fou où c'est de la tomate. Et à côté, il y a le skin Bomb Burger qui contient de la tomate. Parce que dans un burger, bah, il y a forcément de la sauce tomate. Oh, mais t'es un génie! Oui, mon skin a de la tomate. Ok. Bah, donc, du coup, ça peut pas être le skin Poiscaille. Donc là, il me reste une question sur deux skins différents. Donc, je pense que ça va être très très simple. Je réfléchis, disons, qu'est-ce que je pourrais lui poser comme question? Le skin Burger, ils ont à peu près la même tenue. Le skin tomate a du vert. Est-ce qu'il a du vert, le skin Bomb Burger? Non, il n'y a pas de vert. Ok, toi, Nike, c'est bon. J'ai la fameuse question. Dis-moi. Est-ce que le skin que tu as choisi porte de la couleur verte? Est-ce qu'il y a du vert sur le skin? Oh, mais t'es un génie! Le skin tomate, il a du vert et pas le burger. Non, il n'y a pas de vert sur mon skin. Oh, mais ça veut dire qu'il me reste plus qu'un seul skin, du coup. Donc, tu as choisi le skin Bomb Burger. Oh, mais mec, attends, mais gros, je pensais pas qu'on allait autant gagner dans ce jeu. Je t'offre tout de suite le cadeau, Kenzis, et c'est cadeau! Ok, ton mec, j'ai reçu le cadeau. Merci beaucoup, mec, je l'ouvre tout de suite. Et bah, c'est le skin Bomb Burger. Et de rien, ça fait plaisir. On va passer à la dernière manche. C'est à toi de choisir le skin. Quel skin je vais choisir? Un skin qu'il pourrait bien aimer. En vrai, je vais choisir le skin Vengeresse. Je pense qu'il va bien aimer. Ok, ton mec, c'est bon, j'ai choisi ton skin. Ok, tu as choisi mon skin. Je vais devoir poser des questions. Je sais pas quel skin t'as pris. Je commence à avoir pas mal de skins dans la boutique. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que ton skin est un homme ou une femme? Mon skin, c'est une femme. Ok, déjà, j'enlève tous les skins hommes. Du coup, il reste quoi comme skin? Il reste celui-là, mais celui-là, je l'ai déjà gagné. Celui-là, je l'ai pas. Ok. Il y a le E aussi, là. Ok, j'ai une autre question. Ce skin, il a une chaîne en or? Et ce skin aussi, il a une chaîne en or? Oh, j'ai une question de fou. Est-ce que ton skin a des chaînes en or sur lui? Alors oui, mon skin comporte des chaînes en or. Mais non! Donc c'est ou la Vénarde ou le skin Vengeresse. Il me reste une question. Oh, ça y est, j'ai une question! Est-ce que ton skin a des écritures chinoises sur lui? Des écritures chinoises? Ouais. Alors est-ce que mon skin a des écritures chinoises sur lui? Ah, toi, Nag, oui, mon skin a des écritures chinoises sur lui. Mais c'est pas possible, on va jamais perdre! J'ai encore gagné le skin! Bah vas-y, mec, j'attends que tu me l'offres. Eh, on perd beaucoup de sous dans cette vidéo. Attends, du coup, attends, tu m'as pas dit le nom du skin, on sait jamais. Mais attends, mais c'est évident, c'est Vengeresse. Ouais, c'est bien ça. Ça y est, j'ai reçu le skin. Aïe, aïe, aïe. Et j'ai reçu beaucoup de trottines. Je pensais pas que ce serait aussi simple cette vidéo. En tout cas, Kenzis, j'espère que t'as kiffé. Ah, mec, j'ai kiffé. Merci beaucoup pour l'invitation. Et merci pour les skins. Je pensais pas ressortir avec 3 skins. Ça fait plaisir. Mec, on va faire un épisode 2 plus tard avec une boutique encore plus compliquée parce que là, c'était beaucoup trop facile. Allez, les gars, oubliez pas le petit pouce bleu comme d'habitude. Et ciao!